il est temps de parler de bande dessinée en compagnie donc de vous, Nicolas Mazière. Donc je rappelle que votre album s'appelle Ma vie de people. Vous êtes le dessinateur puisque l'idée du scénario est venue plutôt à Adeline Blondiot. Racontez-nous comment elle vous a contacté et comment elle a eu cette idée. En fait, elle a acheté ma première BD, le blog du Petit Nicolin, qui était sorti aux éditions Bambou, et elle a complètement flashé dessus. Sur votre coup de crayon. Sur mon coup de crayon, sur mon humour, et en fait, elle travaillait aussi en même temps dans ses éditions. Donc mon éditeur lui avait proposé en disant, je te dirais de découvrir ça. Elle a dit, mais pas besoin parce que j'ai déjà acheté, j'adore. Donc déjà, je savais qu'elle était fan de moi. Je pouvais faire un peu le kéké. Et donc on s'est rencontrés. J'avais rencontré à Marseille, elle était en train de dédicacer. J'étais venu à l'album et c'est moi qui ai dédicacé mon album, c'était rigolo. Et donc voilà, on s'est dit, il faut vraiment qu'on travaille sur une idée. On a trouvé donc cette idée-là. On était sur Skype, on discutait et puis... Puis j'ai fait la planche presque en direct, enfin le soir. Le lendemain, j'ai envoyé, elle m'a dit, je suis mort de rire, c'est là-dessus qu'il faut donc aller. Ce sont des anecdotes, on va le rappeler, qui s'adressent donc à nous, commun des mortels, qui ne sommes pas connus. Mais en revanche, là, ça concerne des anecdotes qui sont arrivées. Voilà. Alors je ne sais pas si elles sont toutes vraies, ces anecdotes. C'est écrit dessus, 100% histoire vraie. Donc c'est vraiment Adeline qui va rencontrer soit ses amis, soit les people. Qui lui raconte des choses. Et voilà. Et après, donc moi, je les mets en dessin, mais c'est vraiment 100% vrai. Mais alors est-ce que ça a été difficile de les convaincre? Parce qu'on n'a pas forcément envie que ce qu'on raconte à une amie connue, sa façon aussi, se retrouve dans une planche de BD, quoi. Voilà, alors, en fait, moi je me suis amusé à la caricaturer, à raconter ses histoires aussi. Elle-même, d'ailleurs, dans la première planche, elle se retrouve sur les toilettes. Et donc, quand elle montre ça aux autres, ils sont morts de rire et c'est vrai qu'ils acceptent facilement de faire ça. Après, on n'est pas méchant, c'est que des histoires drôles. Est-ce qu'il y en a qui ont accepté dans un premier temps et une fois qu'ils se sont vus sur la planche, non, refusé aucun. Non, aucun. Tout le monde a... Et puis on a des super retours même vis-à-vis d'eux. Ils sont super contents de se retrouver dans cet album. Alors on va donner quand même à nos téléspectateurs quelques anecdotes. Henri Lecomte, qui a connu un grand moment de solitude dans un hôtel, racontez-nous. C'est ça. Alors apparemment, il y avait une petite soirée où il avait bien bu. Voilà. Et dans la nuit, donc, il se réveille pour aller aux toilettes et il confond la porte des toilettes avec la porte de sa chambre d'hôtel. Sauf qu'il était nu. Donc il se retrouve coincé. Enfermé dehors. Dans le couloir tout nu. Et il est obligé de descendre à la réception, donc à poil, pour récupérer une carte. Quoi. Et donc quand il voit le maître d'hôtel, il lui demande gentiment, il préfère que ce soit un homme qui l'accompagne plutôt que des filles. Bien sûr, on le comprend. Et voilà, et l'homme lui dit, je suis sûr qu'il était homosexuel en parlant d'Henri Lecomte. Voilà. Tonia Kinsinger, la comédienne également de Sous le Soleil, qui est victime de son personnage, puisqu'on la confond dans sa vie privée, on la prend pour Jessica. En fait. Voilà, ça avait beaucoup de... Je crois que c'est des histoires qui reviennent souvent, ce que me racontait Adeline, où vraiment le personnage de la fiction et les gens, c'est vrai que la prennent donc pour son propre rôle et elle leur explique, elle dit non, mais vous savez que c'est pas moi quoi. Et les autres qui disent oui, bien sûr, Jessica, en reprenant bien sûr le prénom du rôle. Alors il n'y a pas que des désavantages à être connu. Par exemple, Patrice Carmouze a eu une bonne surprise à l'aéroport. Oui, je crois qu'il a oublié ses papiers et tout. Et donc il commence à avoir la pression. Il panique, voilà. Il voit la douane. Et la douane commence à dire vous passez comme ça sans rien et tout, vous n'avez pas oublié quelque chose. Donc là, il commence à flipper. Et en fait, il leur demande un autographe. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'il est un petit peu... Pas mal. Sauvé par sa notoriété, quand même. Alors, il ne faut pas croire non plus que tous les taxis sont agréables avec les vedettes. Il en a fait des frais, Richard Virenque. C'est ça. C'est le taxi qui le reconnaît. Il ne sait pas trop... Et à la fin, il lui dit « Ah oui, c'est vous, Richard Viering, mais je ne vous ai pas reconnu parce que vous avez grossi. » Alors qu'en fait, il n'a pas spécialement grossi puisqu'il est dans un état normal, on va dire, Richard Viering. Sauf que quand il faisait du vélo... Il était dopé. Ouais, sûrement, mais il était beaucoup plus mince que, on va dire, la normale. Donc, il le traite un peu de gros, il est un peu dégoûté. Il y a aussi les taxis qui n'arrivent pas justement à vous remettre, qui vous passent toute la revue des people, mais qui ne trouvent jamais votre nom. Oui, c'est ça, c'est avec comment elle s'appelle, je ne sais plus, c'est laquelle. C'est une animatrice. Une actrice, je crois, qui. Voilà, qu'on confond avec Sandrine Kiberlin. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça arrive, c'est ce que me dit Adeline, c'est que ça arrive tout le temps des gens qui cherchent votre nom. Alors, qui cherche. Connu, c'est qui?
Alors les inconnus, c'est ceux qui ont bien voulu qu'on raconte leur anecdote, voilà, mais qu'on ne les dessine pas pour les dématcher. Les reconnaître entre les lignes, j'allais dire, entre les dessins. Ouais, ouais, on peut. Il y en a certains, oui, il y en a certains, non. Donc là, ça, c'est un petit jeu. Alors vous en avez beaucoup encore en stock, est-ce que vous allez préparer d'autres tomes sur ce modèle-ci? Oui, alors là on a le tome 2 qui est en préparation, d'ailleurs on bosse dur là parce qu'il faut vite le sortir, donc je suis même un peu à la bourre, c'est chaud de la tagada comme on dit, mais voilà, donc je bosse à fond avec Adeline sur le tome 2 et ça devrait sortir, on va essayer de le faire sortir pour fin novembre ou novembre, je sais pas. En tout cas les retours des vedettes concernées ont été bons, est-ce qu'il y en a qui vous ont contacté en disant moi j'ai une anecdote à vous raconter? Oui, et souvent, ce qui est rigolo, souvent c'est les mêmes. Parce qu'il y a l'histoire de Bernard Montchel qui se fait griller en achetant du papier toilette. Au et ça, on connaît, aujourd'hui, il est traumatisé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas. Il peut plus acheter son papier de toilette. Il va envoyer quelqu'un à sa place. Et ça, c'est une histoire que les people souvent ont vécu et nous disent. Donc Adeline dit non, celle-là, je suis désolé, mais on l'a déjà. Donc, mais voilà, ils sont bon, contents. Vous allez en trouver d'autres, j'en suis sûr. Oui, c'est au boulot d'Adeline, ça c'est son rôle. Les people ont besoin de papier toilette, comme tout le monde. C'était l'info LCM du jour. Alors, vous avez également d'autres cordes à votre arc, puisque vous êtes aussi très connu sur le web pour des vidéos qui ont dépassé, je crois, les 3 millions. 3 millions de vues. De vues, grâce à Luciano, donc le personnage que j'ai créé, qui est complètement. Vous êtes un peu schizophrène, Luciano, Nicolas Mazière, on s'y perd. C'est ça, les créateurs, c'est qu'on crée. Au moins, si on vous reconnaît dans la rue, vous dites ah non, c'est pas moi, c'est Nicolas. Alors, des fois, c'est bizarre. Il y a des gens qui m'appellent Luciano, donc je me retourne, Nicolas, Nicolin. Des fois, des filles qui me disent connard, parce que bon, ça arrive. Par rapport à des histoires. Luciano est un soupçon macho, il faut le dire. Très macho. Voilà, ce sont les vidéos qu'on peut voir sur le net. Voilà, Luciano, je l'adore parce qu'il est un monstre. Finalement, c'est un personnage monstrueux, mais qui est attachant parce qu'il est drôle. Donc voilà, il a son petit succès sur le net. Très drôle, on peut confirmer. Merci beaucoup Nicolas Mazière d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que votre BD Ma vie de people aux éditions Drugstore se trouve finalement en librairie très facilement. Si vous ne l'avez pas, courez-y, l'achetez pour la modique somme de 9 euros.